Très vite après la création de BP, la mayonnaise commence à prendre. Mais comme je l'ai déjà dit, chez BP, on ne se repose jamais sur ses lauriers. Pour rester dans la métaphore culinaire, 50% du gâteau se transforme immédiatement en investissement publicitaire. C'était du lourd, du très lourd. Et ce n'est pas tout. Allô, c'était la Fnac. Alors que nous n'étions encore que 3 personnes dans la boîte, la Fnac nous proposait de référencer nos logiciels. Et à votre avis? Oh yeah! Pas si vite. Nous n'étions encore que tout petits. Nous fonctionnions artisanalement. Pour la Fnac, nous fabriquions les premières boîtes nous-mêmes et nous chauffions le cellophane avec un sèche-cheveux. Mais quand même, nos efforts commencent à payer, c'est vrai. Et on avançait tout droit vers une autre victoire, et pas des moindres. En 1992, c'est Microsoft qui nous contacte et nous convie à son tour de France à l'occasion de sa convention générale. C'était vraiment une superbe opération d'image, de notoriété et de crédibilité. Une sacrée étape dans la vie de BP. Bon, ça va. Restons humbles, quand même. Ok. Mais le fait est que les ventes ne cessaient de s'accélérer. Et c'est vrai que jusque dans les années 90, nous amenions tous les soirs à la poste un chariot rempli de cartons de logiciels. Et entre 90 et 95, le chiffre d'affaires doublait chaque année. Même les personnalités de Rambouillet voulaient être vues auprès de celui qui décoiffait la planète informatique. Comme Gérard Larcher lui-même, déjà maire de Rambouillet. Et comme si ce n'était pas déjà énorme pour une start-up, nous recevions en plus le prix de l'audace créative. Mais alors que la période était au beau fixe et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, les premiers nuages d'une tempête annoncée s'amoncelaient au-dessus de nos têtes. L'an 2000 approchait. Et notre petite planète s'apprêtait à vivre le cataclysme informatique du passage à l'an 2000.